l'équipe, c'est Zarakis, j'espère que vous allez bien. Je vous mens pas, je savais pas quoi faire comme vidéo aujourd'hui parce que j'avais pas le temps de faire un showcase, surtout que juste après cette vidéo, en tout cas vous allez peut-être la voir après, mais je vais en live, donc on essaye de rentabiliser un maximum son temps. On va un petit peu parler de mon compte, on va parler du festival en même temps et on va parler un petit peu globalement du jeu. Et je me suis dit que ça fait un moment que je parle du jeu, je vois beaucoup d'avis sur Twitter, notamment sous les commentaires aussi de mes vidéos, sous les vidéos des autres frérots, et je me suis dit que c'était peut-être le moment d'en parler. De parler de, pas forcément un point précis, mais parler du jeu. C'est-à-dire qu'on pourrait parler eh bien, de comment s'est développé le jeu par rapport à l'époque, surtout que dernièrement, vous savez, j'ai beaucoup regardé de vidéos des frérots, et notamment... Bah, tous les frérots, hein, je veux dire, je peux croiser du Riyad, même des vidéos à l'ancienne de Domo, de Marty, hein, donc pour ceux qui ont la ref, du frérot Fitz, de Blast, voilà, de Camps. J'ai vu des vidéos qui datent un peu, qui ont été en recommandation YouTube. Et en fait, j'ai vu à l'époque, j'ai cliqué, hein, donc je me suis dit, bon, vas-y, on va revoir les vidéos, notamment des vidéos qui sont sorties il y a genre 3-4 ans. Et je peux vous dire que l'évolution du jeu... Il y a beaucoup de personnes qui disent « oui, le jeu a évolué négativement, etc. » Et en vrai, je ne suis pas du tout d'accord, parce que je vois des commentaires, et après ça, je vous montrerai un petit peu ma box sur un petit peu l'année, qu'est-ce que j'ai mis sur tel perso, combien d'étoiles je l'ai eu, etc. On va en parler un petit peu, comme ça on va faire une petite review de la box, et en même temps, on va parler du jeu. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que DB Legends a énormément de joueurs qui sont comme des ex. C'est-à-dire que je reviens, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Ah non, c'est pas bon, je pars, je reviens. Voilà, on les connaît ces joueurs-là. Après, chacun fait ce qu'il a envie, il n'y a pas de souci, vous jouez quand vous voulez. C'est d'ailleurs le but d'un jeu mobile. Un jeu mobile, c'est pas t'y es toute ta vie dessus. Tu peux le faire si t'en as envie. Mais à la base, c'est pour jouer quand t'as une petite pause, en fait, dans ta vie, tout simplement. Et donc, j'ai vu des commentaires, notamment, comme quoi, DB Legends, tous les personnages qui sont sortis, meurent au bout de 3 mois. Alors écoutez ça, pour moi, pour mes oreilles qui suis un joueur expérimenté, ce que je vous propose, et comme ça au moins ça va vous donner un petit peu une indication, parce que moi je joue le top ladder. Le top ladder, donc je considère que c'est le top 1000. Donc j'ai 43 rangs sur 46, j'ai raté... Deux rangs, donc c'était à l'apparition des rangs, j'ai fait le premier et les deux suivants. J'ai mon tel qui s'est cassé, hein. Vous savez, j'ai eu un délire à un moment donné avec les téléphones qui marchaient plus, qui n'avaient plus de connexion, je ne pouvais plus rien faire, enfin, c'était un délire. Et j'ai eu, je n'ai pas pu faire la reprise du taf, la première saison où ils ont modifié, vous savez, où en gros, plus tu jouais au jeu, plus tu étais bien classé. Donc il fallait jouer pendant toute sa vie, tous les jours, et ça, moi, c'était pas possible. Donc ça, c'est les trois rangs que j'ai ratés. Tous les autres rangs, je les ai faits. Et donc, je vais pouvoir vous dire, selon mon expérience de jeu, c'est pas pour faire un concours de celui qui a la plus grosse. Ça, on n'en a rien à foutre. Hein, vous me connaissez, hein, je parle franco, mais le but ici, c'est de dire quelle team, encore aujourd'hui sortie sur des portails précédents, est encore jouable dans le top ladder. C'est-à-dire, c'est peut-être moins fort, c'est peut-être une team que tu vas moins croiser, mais tu vas les croiser de temps en temps, et c'est jouable. Et donc, l'idée, c'est de dire, par rapport à l'époque, parce que moi, je rappelle juste, hein, au cas où, j'ai vu notamment chez le frérot Fitz des vidéos de l'époque, et c'était la Team Fusion. Les gars, la Team Fusion aux 2 ans, tu jouais Fusion ou rien. Vegetto Blue, j'ai vu comment jouait Fitz à l'époque, etc. Et c'était comme jouait tout le monde, moi y compris. Tu partais avec Vegetto Blue, déjà t'avais très peu de persos qui avaient des covers, contrairement à aujourd'hui où tu as des revives, t'as des survies au chaos, t'as de tout ça. C'est enchaînement de strikes sans faire de sidestep ou de charge step et c'est spam. Spam, ça, spam, 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 tout droit. Tu fais des gros spams tout droit en enchaînant les cartes. Et Vegetto Blue, il te mettait 3 strikes à un perso, il était mort. Et tu pouvais avoir les Rising Rush en cette carte. Donc t'avais des Rising à la 165e, 170e presque. Donc c'était débile. Donc dire qu'aujourd'hui le PVP est moins bien qu'à l'époque, je pense qu'on ne vit pas dans le même monde en fait. Vraiment. Alors. On est d'accord que le jeu a toujours eu des soucis, notamment au niveau des lags, au niveau de la connexion de certains, au niveau des affrontements qu'on a eus. On n'est pas censé affronter des ricains, on n'est pas censé affronter des joueurs en Afrique. Ça, c'est toujours le défaut du jeu. Mais en ce qui concerne la diversité sur le PVP, on n'a jamais eu un jeu, et je me répète, hein, et je le re-répéterai tant que ça ne changera pas, on n'a jamais eu un PVP aussi bien diversifié et aussi plaisant en termes de personnages que tu vas affronter. C'est-à-dire que
tu peux affronter un perso après un autre. Alors peut-être tu vas rencontrer plus ou moins les mêmes persos quand la méta, les avantages et quand ce sont les plus forts et qui viennent de sortir parce qu'ils sont boostés, etc. Mais il faut quand même préciser qu'on a énormément de chance aujourd'hui de se dire qu'il y a plein de teams jouables. Genre par exemple, on va parler un petit peu en regardant les personnages qui sont sortis, notamment en vedette. Ok ? Donc, et on va faire un petit débrief. Et on va parler des teams aussi, parce que j'ai déjà fait des vidéos, vous savez, sur le top 10 des teams pour Angod, etc. Et on va en parler encore une fois. Parce que je pense que certains ne se rendent vraiment pas compte. Et en même temps, bah, on va parler un petit peu de la review de ma box, et on va parler également de ce que j'attends pour l'année 2024. Les défauts pour moi de l'année 2023 et les qualités. Comme ça, moi, ça fait une petite vidéo assez complète, assez chill, sous un format, on va dire, un peu podcast. Et c'est quand même assez plaisant. Et puis tout à l'heure en live, on ira probablement tourner un showcase. Alors, déjà, on va regarder un petit peu... donc c'est quoi? C'est puissance de frappe. On est bon. Et on va regarder donc Legends Limited. Donc on va mettre par obtention. Et on va regarder qui est jouable et qui ne l'est pas. Et en fonction des sorties qu'on a eues depuis un an. Ok? Donc depuis un an égale Broly Ultra. Et Gohan Beast. Voilà. Donc on va prendre du début. Ok, Beerus, injouable, ça fait 1. Gohan SCJ2, Goten, injouable. SV, Goku Mammouth, Goku Namek, pardon. Goku SCJ3, Vegeta, tout ça c'est injouable. Piccolo, injouable. Freezer, Lev Zenkai, largement jouable. Et top meta, donc Rang God. Vegeto Blue, injouable. Mais dans le top 10K, je pense que tu peux le sortir. Ce qui est en dessous me semble quand même beaucoup plus compliqué. Majin Vegeta, je pense top 10K, tu peux le sortir. Migate, top meta. Broly, très compliqué à sortir. Gogeta Blue peut se sortir selon les compos, mais vu que maintenant t'as des revives, t'as des persos comme Janemba, etc., il peut être un petit peu protégé, mais tu peux le sortir. Donc c'est pas top méta, mais tu peux le sortir. Mirai Gohan, tu peux le jouer. Kid Buu, très compliqué. Je dirais même probablement injouable. Rosé, tu peux le jouer. Goku 4, largement top méta. Gatai, c'est compliqué. Gogeta 4, c'est compliqué. Gohan Revive, top méta. Tu peux largement le jouer encore aujourd'hui. Freezer Full Power top meta, Vegeta Evo compliqué, Ozaru compliqué, et là on va rentrer dans les nouveaux personnages. Forcément là on avait des persos qui étaient filtrés par date d'obtention, donc forcément c'est plus ou moins par leur date de sortie, hein, tout simplement. Vu que je cash play et que je les ai obtenus plus ou moins, et eh bien leur sortie, plus ou moins, on va dire surtout au niveau du milieu, ce qui est en bas c'est peut-être moins le cas parce qu'à l'époque j'étais, je cash play pas ou très très peu. Et donc on arrive au tac qui divin compliqué. Trunks, top méta. Jiren et Badax, c'est compliqué, mais ça joue top Giga. Taxiborg, ça joue même top, même limite top 6K, je pense. Migate, pareil. Ryuken, top méta. Trunks, compliqué. Couleur, compliqué, mais c'est parce que c'est la méta qui ne l'avantage pas. Il y a trop de bleu et peu de SSJ dans le jeu. Gohan Beast, top méta. Tag SSJ 4, top méta. Tag Ni Royal, top méta. C17 MVP, top méta. Migate Revive, top méta. Tag Zed. Le flop de l'année 2023, vraiment le seul défaut en personnage de l'année 2023. Le Tagoku Freezer, les Gamma, Orange Piccolo, Cell, le Goku. J'en parlerai un petit peu de ce Goku après, bon je peux le faire maintenant, mais excellent personnage, mais malheureusement, ben, quand t'as pas de team dans le jeu, tu peux être très bon. Mais ça ne suffit pas. Donc malheureusement, lui il subit le problème de team. Et je pense que sa couleur aussi l'handicape plus qu'autre chose. Alors il est bleu, c'est très bien, mais je l'aurais mis vert perso. Voilà. Ce n'est que mon avis, mais voilà. Le Kid Goku top méta et Paikwan Revive Gogeta top méta. Donc on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages. Et là, ce ne sont que les LF. Parce que si tu prends les Ultras, donc on va quitter tout ça. On va mettre les Ultras. Ultra, bon évidemment, les Free-to-Play sont injouables. Pas besoin de le dire. Gogeta ici, très compliqué à sortir. Mais ça peut se sortir top 10K, mais compliqué. Kaioken, très compliqué. Le SV, c'est compliqué, mais ça se joue. S'il est étoilé. Broly, Gogeta Blue, Hit, Rosé, Kid Buu, Janemba et VBU, tous, ils sont top méta. Tous. Hit, son seul défaut, c'est qu'il y a trop de bleu actuellement. Mais quand la méta va tourner, Tokito Bashi, les gars, tu me fais rentrer sur le terrain. Tokito, tu prends un kill garanti. Broly Ultra, depuis qu'il a eu son item, trop fort. Gogeta Blue, un monstre. Rosé, trop fort. Kid Buu, j'en parle même pas. VBU, très très fort. Enfin, il faut quand même préciser... D'ailleurs, j'en bégaye, parce que je veux parler trop vite, mais Vegeto Blue, malgré les nombres bleus, n'a jamais été réellement mort. Il a eu plus de mal, et maintenant que c'est un peu moins le cas et qu'il a justement un allié qui le protège des bleus, donc Paikwan, Revive, Gogeta, ben ce perso-là, il est revenu.
Janemba très fort. Et puis après, parce que là, c'est bien, je vous ai montré les Ultra, également les LF, mais les Sparking non LF, les gars. Est-ce que ça, je les ai montrés? Non. Et donc, vous allez voir ça. Et on va même enlever les Zenkai, parce que les Zenkai, en réalité, hein, je compte pas aussi les Gogeta Vert, les Cell, hein, je veux dire Cell, Cell jaune très fort, même monstrueux. Bulma et Shishi, ça se joue aussi, hein, c'est pas dégueulasse, donc il faut quand même le dire. Donc on va regarder les Sparking. Le Goku et le Piccolo, C8, c'est des monstres. Muten Roshi également fait partie de la liste, hein, dans la team Dragon Ball optimisée, c'est une team injouable. Défensivement, c'est trop solide, offensivement, c'est trop fort, et la team, quand tu l'as bien opti et que tu as tous les persos, c'est un délire, vraiment c'est un délire. Commando Ginyu, trop fort. Tu prends tous les persos en dessous, ça se joue. Gohan vert, ça se joue. Ce Gohan là, c'est plus compliqué, mais ça se joue. Magenta, ça se joue. Et tu descends, Kiawei, trop forte. Trop forte. Carteral, c'est compliqué, mais bon, ça se joue. Jiren, l'un des meilleurs persos du jeu. Le meilleur duo du jeu avec C17. Zamasu, qui va avoir un an, toujours un monstre. Kame Sennin, très intéressant dans cette méta. Il est d'ailleurs même plus intéressant qu'à sa sortie. C17, pareil, bientôt un an, toujours monstrueux. Pan, pareil. Elle a un petit peu perdu en intérêt, mais un an après. Et là, c'est des personnages secondaires, les gars. C'est pas des persos en vedette. Et tu descends, et t'en as quand même pas mal qui sont dans ce sens-là. Donc là, je pense qu'on s'arrête quand même à Pan, plus ou moins. Mais t'as du Mecha Freezer, etc., qui sont pas dégueux. Tenchinan aussi, mais c'est plus des problèmes de team où il y a mieux dans leur team. Mais genre, par exemple, Freezer Revive, ce Kaioken, Zenkai, etc., c'est pas mal. Le Whis aussi, donc... On a quand même une diversité de personnages, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte que la phrase de « Oui, les persos qui sortent aujourd'hui, ils meurent au bout de 3 mois », c'est de la connerie, ça, en fait. C'est de la connerie. Et je pense qu'il faut s'en rendre compte. Alors oui, il faut des étoiles selon les persos, oui, c'est pas évident, quand t'es free-to-play. Mais quand t'es free-to-play, tu peux pas invoquer sur tout. Et donc ça, il faut aussi le prendre en compte. Et quand tu regardes toutes les teams, sachant que je les ai pas toutes enregistrées, mais on peut faire par, tout simplement... Alors je vais regarder ce que j'ai enregistré, mais... Je peux vous dire que le nombre de compositions aujourd'hui que tu peux jouer, genre TDP aujourd'hui, c'est sorti il y a quoi, il y a 4-6 mois, c'est toujours l'une des meilleures teams du jeu. Ouais. Je tourne, je sais pas ce que j'ai mis, Commando Ginyu, l'une des meilleures teams du jeu. Il n'y a pas de LF, il n'y a pas d'Ultra. C'était un portail Mega Rising. Donc c'est l'une des meilleures teams du jeu. Le Paikouan Revive Gogeta, tu peux le mettre en leader. D'ailleurs, le leader permet, même s'il a ses défauts, quand les teams sont trop fortes, de créer des teams trop fortes. Par exemple, là, tu peux jouer cette team, donc Regen, de 46 manières différentes. Tu peux mettre celle LF, enlever Kid Buu, laisser Paikouan Revive Gogeta. Tu peux enlever Paikouan Revive Gogeta, mettre Orange Piccolo. Tu n'as pas Orange Piccolo, bah à la limite, mets Zamasu bleu. Dans la méta, ça reste quand même intéressant. T'as trop d'options. T'as trop de variantes, etc. À l'époque, je rappelle, tu jouais Vegeto Blue Kefla, tu n'avais rien d'autre. C'était ça ou rien. Tu tournes. La Team Movie, il y a 48 persos différents. Gogeta Blue, Broly Ultra, Janemba Ultra, Paikouan Revive Gogeta, Ryuken, Pan, Gohan Beast. Je peux continuer, hein. Gohan Revive. Il y en a 40 000 des persos maintenant. Métis, c'est plus compliqué, mais ça se joue aussi. Il y en a encore qui jouent cette team. Et j'avais oublié dans la Team Movie, Kid Goku. Kid Goku qui est Saga DB. Saga DB qui se joue également avec le nouveau Piccolo, le Goku du TB, hein, donc du Tenkaichi Budokai. Qui se joue également avec le Muten Roshi et le C8. On peut continuer, la liste elle est longue, hein. La liste elle est très très longue les gars. Fusion, qui n'existait plus grâce à Paikouan Revive Gogeta, est de nouveau jouable, et en top méta. On continue, donc Métis évidemment, bon là Gohan Beast est boosté. Quand il va perdre les boosts, c'est vrai que ça va être compliqué, parce que la team elle a quand même des défauts, notamment au niveau de Mirai Gohan et de Pan. Donc il faudrait enlever Mirai Gohan, sauf s'il obtient un Zenkai prochainement, même si j'y crois moins. Et qu'au festival par exemple, on est Gohan SCJ 2 Ultra. Si c'est le cas, bah ça peut être très intéressant. Donc à voir comment ça va se passer. Je peux continuer dans les présélections. La team future. Il y a 46 options différentes. Tu enlèves celle LF, tu mets Rose Ultra. Ça marche aussi. Tu as cette team là qui reste jouable, même en top méta. C'est plus compliqué aujourd'hui, mais ça se joue. Tu as justement la team Cyborg, ou alors la Cyborg Movie dans ce sens là, qui d'ailleurs marche également si tu enlèves le Kid Goku et que tu mets le Paikouan Revive Gogeta. Ça marche aussi. Tu as la team LOE. Donc tu peux même prendre Ginyu du commando Ginyu et le mettre en leader pour partir sur une team LOE avec double revive. Tu as la team GT, c'est plus compliqué mais ça se joue. Tu as également la team TDP mais avec Hit. Donc voilà, je peux continuer très très longtemps, je vais dire en termes de compo, on a également C17 MVP en leader LOE, tu peux enlever MVP, tu mets Freezer LF Zenkai et Freezer Revive avec le tag, ça marche.
Tu peux partir avec Kiaowei également en TDP. Tu as la team Cyborg que tu vois juste ici. Les gars, il y a trop de teams aujourd'hui dans le jeu. Et c'est quand même super plaisant. Parce qu'à l'époque, quand tu jouais tout le temps la même team et que tu n'avais pas les persos, tu pouvais rush kit. Ça servait à rien. Ou t'avais, allez, peut-être pas une team, mais t'en avais peut-être deux. Aujourd'hui, tu en as une vingtaine. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à l'époque. Je suis resté longtemps là-dessus parce qu'il faut quand même le préciser, ça. Et les gens ne s'en rendent vraiment pas compte. En termes de tag, on a énormément de teams jouables et qui sont là depuis très longtemps. Genre GT, que ce soit jouable encore un an après, c'est un délire. La team, elle a pas d'ultra. Elle a pas d'ultra premium. Hein. Elle a Omega, mais bon, Omega, bon. Hein. On va pas trop en parler. Peut-être qu'il aura son item unique au festival, mais il faut quand même en parler de ça. Et d'ailleurs, maintenant, je trouve, et j'en ai pas parlé dans mes précédentes vidéos, ce que font les devs qui est vraiment excellentissime, c'est qu'ils te sortent des teams. La team, elle a peut-être des défauts, et ils vont te compenser ça avec des items. Et on va pas me dire que c'est un problème, les items, parce que maintenant, t'as des raids. Maintenant, il n'y a plus de problème d'accès au niveau des gommes. Le seul problème pour le jeu, pour moi, c'est les énergies. Allez, l'énergie et les tickets pass, c'est plus compliqué. Pour moi, ils devraient en mettre dans les raids. Pour moi c'est vraiment le défaut du jeu, donc pour moi c'est ça, voilà le défaut, et je vais en parler ici, de l'année 2023, ce sont les énergies, les tickets passent un peu moins, mais je vais quand même les mettre ensemble, donc ça va être les deux regroupés, mais c'est plus ou moins quand même, enfin globalement les énergies, les cristaux, je dirais pas vraiment ça, je dirais plus le rythme des portails, on ne sait pas vraiment ce qui sort. Un coup t'as un ultra, un coup t'en as un tous les mois, un coup ils reviennent mais 4 mois après, un coup t'as un Mega Rising, un coup c'est plus d'All-Star, ça existe plus. Aux célébrations c'est double LF, non en fait t'as un ultra, non t'as plusieurs ultras. Vous voyez, je pense qu'on a besoin, à l'image de Dokkan, d'avoir un rythme, tout simplement sur le jeu, chose qui n'est pas le cas. Donc ça ce serait bien. Donc je pense que c'est pas énormément demander ça au dev. Je pense que voilà, c'est une norme d'avoir un repère en fait. C'est-à-dire que tu sais que tu vas te faire peut-être enchaîner dans les grandes célébrations, mais c'est bien d'avoir un repère pour les joueurs. Et ça, ça fait 5 ans et demi qu'ils ont eu du mal à le faire. Ça commence à être mieux. Mais c'est vrai qu'au bout de 5 ans, donc on va dire jusqu'au 5e anniversaire, on ne savait toujours pas. Ça a toujours été un truc, ça a changé. Ce format de portail, il a changé. On a la pitié, bon en fait, elle est pas ouf. Donc voilà. Et forcément, les portails ultra, il faut les changer. Il faut les changer parce que c'est bien de nous mettre un personnage qui est monstrueux sur le portail, mais il faut une pitié absolument. Et que sur les détecteurs, bah, tu mettes un perso qui va obtenir un LF Zenkai, enfin un Zenkai donc, mais LF, pour donner un peu plus de crédit au portail. Tu prends le portail de Janemba, c'est une sombre blague, c'est un délire. T'as des personnages qui n'ont rien à foutre ici, c'est incompréhensible. Pareil sur le portail de Paikwan, Revive Gogeta. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas sortir ça, c'est pas possible. T'as Gogeta 4, il est finito, Gogeta Blue, c'est compliqué. Le tag SH4 en l'état, c'est compliqué, on verra par la suite. C'est dur, hein, je veux dire, Vegeto Blue, Goku SSJ3, SV, c'est... Et d'ailleurs, ils ont mis aucun nouveau sparking, genre par exemple Kame Sennin, vous voyez, ce genre de sparking là, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun sur le détecteur, donc c'est très compliqué, et je pense qu'il faut quand même un peu plus passer la seconde. J'allais parler également des items uniques. Les items uniques, bah des LF, c'était très compliqué. Maintenant, c'est revenu, on verra, je vais pas m'avancer, on verra comment ça se passe, mais c'est vrai que j'attends qu'il y ait un rythme qui soit plus cohérent, notamment au niveau des sorties des items uniques pour les LF, et un rythme cohérent des portails, parce que c'est vrai que c'est très compliqué, et pour moi, globalement, à part ça, je trouve qu'on a eu une année 2023 en termes de personnages, on n'a pas eu les trucs les plus hypants, hein, parce que quand tu regardes vraiment, à part pendant les célébrations, C17 MVP, il est monstrueux, mais c'est son kit qui intéresse les joueurs, c'est pas le perso en lui-même. On a eu Hit, c'est pas la hype de fou, mais mécaniquement, ils l'ont rendu très intéressant. On a eu Rosé qui est très hypant, Migate Revive hypant, mais pas non plus, voilà. Le Tag Z, c'était pas non plus la hype de fou parce qu'il a été très décevant. Kid Buu, pas hypant du tout, mais trop fort. Tu arrives à l'anniversaire, on a eu, globalement, les gamins ont quand même hype, mais pas énormément de joueurs. Ça a pas conquis tout le monde, Orange Piccolo, non. Vegeto Blue, le tag, forcément. Et après, quand tu regardes la suite, Cell LF, ça a pas été non plus la hype de fou, mais... Son gameplay est plaisant. On a eu qui après? On a eu le Goku, c'est la même chose. Il y a eu beaucoup de critiques, notamment de ma part. Tu prends le commando Ginyu, c'était stylé, mais c'est pas non plus le truc le plus hypant. Kid Goku, la saga DB. Paikwan, Revive Gogeta, il y en a certains qui ont aussi été mécontents. Donc,
Janemba Ultra, en vrai, il n'y a pas eu des persos, vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas eu des trucs de fou, genre on n'a pas eu des Gohan Ultime, on n'a pas eu des Gotenks, on n'a pas eu des fusions, genre, je sais pas, fusion in-game, on n'a pas eu des Rosé Tag Zamasu, vous voyez? On n'a pas eu Gogeta 4, vous voyez? On a plein de cartouches encore qui sont dispo. Et ce qui fait que, honnêtement, le jeu, je trouve, a bien géré, notamment sur le fait que des teams ne soient pas assez fortes. Bah, tu prends l'exemple de la saga DB, je peux pas la jouer parce que j'ai pas Muten Roshi. Donc je perds la cap Z HP de la team. Mais quand tu regardes les items que les devs ont sortis justement pour combler les lacunes de la team, enfin, je trouve que les lacunes de la compo, honnêtement, quand tu prends la team ton Dragon Ball, tu regardes les items, je peux te dire que c'est une folie, hein. Donc on va regarder ça directement. Je pensais pas là. On va aller dans personnage, donc équipement. Et quand tu filtres tout simplement par pour la saga donc DB, bah, ils ont fait des trucs de fou. Et ça, ils ont fait ça pour la Cyborg, ils ont fait ça pour plein de teams. Et c'est ça qui permet d'avoir autant de compositions. C'est les items. Parce qu'il ne faut pas croire que les persos se suffisent en eux-mêmes. Tu as, alors Dragon Ball, on va le trouver. Mais quand tu regardes les équipements qu'ils ont donnés, genre celui-là, pour défensivement, pour rendre la team encore plus. Je veux dire, 33% de double ligne défensive, 12% de points de vie. T'as également ça qui est pas mal du tout. Attaque Blast, Défense Strike, Attaque Strike, Force. Mais le plus important et le plus intéressant, c'est ça. Là où tu as 15% d'HP, c'est une cap Z d'HP les gars, l'item. Dégâts d'ulti, 20%. Dégâts SP, 10%. Tu as 10% de Défense Strike et Blast pur pour toute la team. Sachant que c'est les pourcentages augmentent pour tous les personnages qui ont ces items-là dans la team. Tu as la même chose pour l'attaque, donc c'est double ligne. Tu as également cet item-là, que j'ai pas beaucoup farmé, qui te donne aussi de la force. Donc là, en deux items, tu as 25% de points de vie supplémentaires, sans les cap Z. C'est un truc de fou. Tu as de la défense pure, de l'attaque pure, selon des conditions. Donc là, c'est moins fort que l'item de tout à l'heure, mais c'est très solide. Et tu cumules en plus avec celui-là, qui lui va te donner des gaspé, de l'attaque strike pure et de l'attaque blast pure. C'est-à-dire que la team, en fait, elle a que des items purs. Elle a que des items de fou. Et on a la même chose après dans les autres compos. Tu peux trouver ça. Alors, Saga Dragon Ball, c'est vrai qu'ils ont quand même bien forcé. Je pense que c'est la team qui a les meilleurs items, hein, je pense. Mais quand tu regardes Cyborg, genre Cyborg, avant, c'était très compliqué. Et à la sortie de Cell LF, on a eu ça. Dégâts SP, quantité de régène de force, surtout que la Cyborg se heal énormément. De l'attaque pure, strike et blast. En fait, ils ont vraiment, je trouve, à travers les items, compensé tous les manques de toutes les teams. Et ça, c'est un truc de fou. Et c'est sûr que si t'es un joueur qui n'est pas assidu sur le jeu, que tu ne parles pas les items, va jouer Saga Dragon Ball sans les items purs, donc les 3 que je vous ai montrés, ou les 4 si vous voulez, et va jouer maintenant la Saga Dragon Ball avec les items purs. Mais tu vas te dire, mais c'est pas du tout la même team. Et c'est normal. Et c'est ce que cherchent les devs. Alors ça va te coûter des zénis, ça va te coûter des âmes, ça va te coûter des gommes, ça va te coûter des médailles équipements. J'en ai plus, par exemple. Mais une fois que c'est fait, t'as la satisfaction de te dire ma team va durer dans le temps. Alors c'est le cas aujourd'hui, ça va peut-être changer par la suite, peut-être qu'à l'anniversaire, enfin au festival pardon, on va avoir un power creep de malade, c'est possible. Mais honnêtement, vu la gueule des persos qu'on a, avec Janemba, etc., je vois pas comment on pourra avoir des persos plus forts. C'est-à-dire que là, où je trouve que par rapport à l'époque, les devs ont fait vraiment un gros progrès, c'est qu'à l'époque, il te fallait de nouveaux persos, parce que si tu l'avais pas, tu étais dans la merde. Broly Violet, tous ces persos-là qui sont sortis, vraiment, Vegeto Blue, Kefla, t'avais la sensation, bon, t'avais la satisfaction quand tu les avais, parce que tu te sentais indétrônable, mais quand tu ne les avais pas, t'avais vraiment ce sentiment où tu dis, je suis dans la merde en fait, je ne peux rien faire. Là, c'est différent. On avait ce sentiment jusqu'à Beast, sauf que Beast, il a reset le jeu, et maintenant, depuis Beast, tout est jouable. Voilà. Il n'y a que le Tag Z réellement qui est un perso injouable. Parce qu'il n'a pas de team, parce que les items qu'ils ont donnés, ils se sont un peu foirés. La célébration, elle a été mal faite. Voilà. En fait, ils ont voulu partir sur un délire Sagabou, sauf qu'il ne se joue pas en Sagabou. Il n'y a pas de team Sagabou. Il n'y a pas assez de perso. Et du coup, bah, tu vas le jouer ailleurs, sauf qu'ailleurs, il y a plus fort. Et du coup, bah, il n'y a pas de team. Voilà. Et t'as encore des teams qui ont besoin de hub, genre Ligne Royale, Waifu, etc. Mais je doute pas que par la suite ils vont faire la même formule qu'avec par exemple la saga Dragon Ball, et je trouve que c'est très bien. Voilà, moi personnellement je trouve que on a du très bon dans le jeu, et il faut le dire. Vous me voyez faire des vidéos coup de gueule, mais par contre quand il faut dire aussi les termes et qu'il faut dire les choses, ben je serai le premier à le dire. Voilà, donc quand ça va pas, oui je vais le dire, mais quand ça va, je vais le dire aussi. Et il faut arrêter les conneries des joueurs qui
qui jouent au jeu une fois tous les 6 mois et qui vont dire ouais vas-y les persos tu payes, 3 mois après ils sont morts. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. On peut clôturer là-dessus. Et donc du coup, ce que j'attends évidemment par contre au festival, c'est les hop-hop. Parce que les hop-hop avant c'était la folie. Vous vous rappelez le marché où il y avait tous les PZ, il y avait des cristaux, il y avait des énergies dedans. Maintenant, t'as plus d'énergie, t'as rien. Pour avoir des hop-hop, il faut balancer l'énergie. Enfin, c'est... Sachant que quand tu récupères les hop-hop que tu dépenses, bah, les hop-hop ne te donnent pas d'énergie. Donc en fait, c'est un truc où tu te mets plus dans la merde à dépenser tes ressources en énergie pour avoir des hop-hop, parce que les hop-hop ne te donnent rien d'intéressant et tu n'as quasiment aucune chance d'avoir de PZLF, donc c'est de la merde. Voilà, moi je pense qu'on peut le dire, c'est de la merde. Donc voilà, moi c'est mon avis, je pense que les hop-hop il faut les mettre dans le raid et tu le fais. Voilà, ça récompense ceux qui farment et puis voilà, tout simplement t'en laisses aussi dans les... quand tu dépenses de l'énergie, mais ça doit pas être là que tu dois en gagner, ou tu en gagnes aussi en PVP. Pareil, et je vais parler d'un point qui ne changera pas mais qui pour moi est quand même très important et qui enlèverait ce côté frustration et qui pose un petit peu la vie des personnages, c'est-à-dire les boosts. Les boosts, ça restera. Ce que je dis là, c'est anecdotique parce que les devs ne changeront pas ça. Pourquoi ? Parce que ça les avantage trop, que tout simplement les joueurs invoquent sur un personnage qui va les frustrer parce qu'il est boosté et qu'il est très fort mécaniquement. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils gardent cette formule. Il n'y a pas de souci, vous voulez un truc où ça vous rentabilise pour vous. Mais dans ce cas-là, faites-le par le thème qui sort. C'est-à-dire que là, par exemple, on a le thème movie qui est boosté. Janemba est sorti. Ben, pendant la durée de la saison PVP, tu boostes tous les persos movie. Ben là, par exemple, je sais pas, mettons la P1, c'est genre Regen. Ben, tu boostes tous les Regen. Pour moi, c'est ça, ça c'est bien plus intéressant parce que ça te permet de sortir des persos qui, sans boost, tu ne pourrais pas le faire. Genre, par exemple, je sais pas, qui on pourrait dire... Beast, là, il a plus d'alliés, c'est compliqué pour lui, donc le fait qu'il ait récupéré les boosts, tu peux jouer Métis. Maintenant, quand Beast, il va perdre les boosts de la campagne movie, ça va être plus compliqué, donc tu vas moins le sortir. Et en fait, ça va un petit peu influencer les teams qui vont être sur la méta. Je pense que c'est bien plus intéressant de faire quelque chose comme ça. Ça reste dans le délire où les devs suivent la logique de le perso qui sort est boosté, mais tu boostes plus de personnages. T'en as pas un seul ou deux, trois, et ils vont dominer le jeu. Je trouve que c'est quand même un peu plus intéressant. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire. Et puis globalement, ben moi j'ai quand même beaucoup moins cashplay sur l'année. Donc ça c'est un point positif pour moi, personnellement. Ça reste quand même mieux d'éviter de trop cashplay, hein, parce que ça reste un jeu virtuel. Après si vous en avez les moyens, moi j'ai pas de soucis par rapport à ça. Ben vous pouvez le faire. Ça n'engage que vous, personne n'a à juger. Mais évidemment, maintenant, tu peux focus certaines teams. Là où à l'époque, c'est vrai, l'argument de focus de 3 teams, mais après, bah, t'es dans la merde, c'était un peu le cas. Maintenant, les teams durent quand même dans le temps. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Donc, on va enlever tout ça. On va mettre juste les personnages LF. Non, on va pas mettre LF, pardon. On va mettre par obtention. Et on va mettre... et je vais regarder un petit peu les cristaux que j'ai balancés. Après, j'ai mangé quand même quelques shafts, alors pas non plus énormément, mais par rapport proportionnel à ce que j'ai mis, évidemment, j'en ai mangé. Donc, Paikwan Revive Gogeta, j'ai mis... Je ne sais plus, les gars. Mais du coup, vous voyez, en fait, il est à 100 PZ de passer 8 étoiles. Donc, en fait, le prochain portail PZ, au lieu de réinvoquer là, ben, en fait, je le passerai tout simplement, et le prochain raid, à 9 étoiles. Voilà. Donc, comme ça, portail PZ, je balance 5K cristaux, je prends 1000 PZLF, il passe 8 étoiles, et il y a un prochain raid, donc même au festival, il y aura pas mal de PZLF, je pourrais le passer 9 étoiles au festival. Donc, c'est une très bonne chose. Donc là, je me suis limité. Janemba, je l'ai passé 12 en 50 et quelques cas, donc en vrai, c'est un braquage. Enfin, c'est pas un braquage, c'est très très bien, mais oui, c'est un braquage. Les deux ici, j'ai pas beaucoup invoqué. Je les ai eus, je me suis arrêté. Kid Goku, j'ai mis 45K, je crois, ou 50, non, 50K. Donc j'ai eu tout le monde sauf Muten, va comprendre, hein, incompréhensible, de ne pas avoir le perso à 1%, mais d'avoir le Kid Goku LF à 9 étoiles. Désolé, petit cut, j'avais plus de stockage dans le PC, donc le PC a dit vas-y, oh, laisse-moi tranquille. Donc voilà, on y revient, et comme je disais après, le commando Ginyu, je les ai full PZ. Et d'ailleurs, je me rappelle que, il faut savoir, je l'avais 8 étoiles, le Rikum Guldo, je l'ai monté à 14. Donc, G Sebertage, je l'avais 12. Et le Ginyu, je l'avais direct 14. Parce qu'en fait, c'est celui que j'ai le plus tombé. Donc, c'est le meilleur du portail. Donc, tant mieux, hein, quelque part. Lui, j'ai mis 50K. Non, j'ai mis moins. 45, 50K. Enfin, à peu près ce truc-là. Et bah, Théma, hein, je vais dire le IX 7 étoiles et le LF 3 étoiles. Voilà, donc bon.
Un peu chier, mais bon, c'est comme ça, hein, t'as compris. Orange Piccolo, j'ai mis 24, je crois. Ou 24 000 cristaux, je l'ai eu deux fois et je me suis arrêté. Ou j'ai mis moins de 30K. Donc je suis pas allé forcer, j'ai forcé sur les gammas. Les gammas que j'ai pas non plus, j'ai pas énormément invoqué, j'ai eu beaucoup de chance sur les gammas, mais j'ai au bout, j'ai quand même forcé, hein, je sais plus, j'ai plus le chiffre exact, je crois que je le dis dans les vidéos, mais j'ai beaucoup forcé. Stell LF, j'ai énormément mis de cristaux. C'est le portail LF dans lequel j'ai mis le plus de cristaux, j'ai mis 65 000 cristaux. Et le personnage, en fait, je voulais surtout MVP sur le portail, et lui en plus, hein, évidemment. MVP qui n'est jamais tombé. Donc au final, MVP, je l'ai PZ avec les portails PZ, etc. petit à petit, ou les PZ LF avec, vous savez, les marchés, les shops des autres LF qui sortaient à force d'invoquer dessus. Donc sacré dinguerie. Donc là, j'ai 13 étoiles actuellement. Qui en a d'autres? Le tac TDP, j'avais pas mis beaucoup et je l'avais droppé beaucoup de fois. Donc j'avais beaucoup de chance sur les meilleurs persos, hein, globalement, ça c'est important à dire. Pitbou, mon plus gros braquage, un cycle 8 étoiles. Voilà, et je me suis arrêté là-dessus. Avant, je l'aurais 14 étoiles, hein. Je le 8 étoiles en un step, croyez-moi que je l'aurais 14. Et non, du coup, j'ai pris les PZ ultra payants. Donc je l'ai monté à 10 étoiles, mais je n'ai pas réinvoqué quand il est revenu, parce que je me suis dit, vas-y, il y a le festival, etc. J'ai pas monté Janemba 14, j'aurais pu aussi, mais je me dis, quand ils reviendront, au moins, je pourrais rebalancer un petit peu. Le Tag Z, je me suis pris un shaft quand même, Migate Revive également, donc les deux 7 étoiles, c'est pas très grave. Ici, je les ai full PZ aussi, mais j'avais pas beaucoup invoqué. Rosé, je l'ai eu 14 étoiles en 30 et quelques cas, donc un braquage, hein, l'un de mes plus gros braquages aussi pour un ultra. Hit, j'ai mis beaucoup de cristaux sur Hit. Et puis après, on arrive à GBU où j'ai mis 80K, je crois. Donc là, j'avais beaucoup mis. Le Tag Ni Royal, je l'avais 8 étoiles à sa sortie. Donc j'avais pas mis non plus énormément de cristaux. Je crois que j'avais dû mettre 30K, un truc comme ça. Et le Tag SCG4, par contre, j'avais eu beaucoup de chance. Et j'avais mis pas énormément de cristaux. Et Gohan Beast, et en fait, si tu prends l'année 2023. En fait, l'année 2023, j'ai moins mis de cristaux. Mais j'ai plus subi de shaft proportionnel à ce que j'ai mis, évidemment. Hein. Mais l'année 2022, ça a été mon plus gros, je pense, braquage, hein, Beast 30K, 14. Broly Ultra, j'avais mis, je sais plus, un peu plus, mais 14. Couleur braquage aussi, mais je l'avais pas eu 14, hein, je l'avais eu genre 12 étoiles, je crois. Trunks Z, ça a été un de mes shafts, je l'avais eu 7, par rapport à ce que je mets, hein, évidemment. Et à l'époque, je cachais beaucoup, beaucoup plus, hein, peut-être même le double de ce que je mets là. Et SV, gros shaft, je l'avais pas eu au bout de 50K. C'est après que j'ai tombé les doublons et j'en ai même eu deux fois deux dans la même multi, c'est vous dire. Donc j'ai même eu un doublon poubelle, donc sacré dinguerie. Et puis après tu reviens le taxiborg 30K, etc. Tout ça, ça avait été fait en live, hein, donc les abonnés pourront confirmer. Voilà, donc après on va un petit peu trop loin, mais globalement, l'année 2023, je m'en serais quand même bien sorti. Alors j'ai quand même mis beaucoup de cristaux sur des portails, j'aurais dû mieux m'en sortir, genre Kid Goku, ne pas avoir muté Roshi. Bon, c'est quand même une blague, hein, on va pas se mentir. Pareil ici, avoir le EX 7 étoiles qui est à 0,35 je crois, de taux de drop. Alors que lui il est à 0,5. C'est un peu chaud quand même. Mais bon, après c'est les probabilités. Tu peux être du côté où tu vas avoir l'ultra 14 étoiles, comme tu peux être du côté où tu ne l'as pas et tu vas le chercher à la pitié. Comme tu peux l'avoir une fois et plus du tout. Comme tu peux l'avoir, on va dire, moyennement, genre à 7 étoiles. C'est la RNG, c'est comme ça. Alors après, est-ce que les taux sont truqués? Je ne sais pas, mais faut pas être non plus naïf. C'est vrai qu'on pourrait imaginer que ce soit le cas. Voilà, ça reste quand même un jeu d'argent, c'est comme si t'allais au casino, mais voilà. Je pense avoir tout dit dans cette vidéo. Au moins, on a fait une petite review de ma box, hein. Je vais vous la montrer aussi si vous voulez, comme ça, parce que je sais que certains me demandent souvent. Alors, loin de moi l'idée de faire un concours de 1, hein, parce que le titre ne sera pas... review de ma box, oh my god, tout 14 étoiles, voilà, ce sera pas l'idée de clic, l'idée ce sera le titre, parlons de DB Legends, plus review de ma box, comme ça au moins, je pense que ce sera ça mon titre d'ailleurs, comme ça au moins globalement, bah, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo, hein, donc voilà, je vous montre un petit peu la box d'un gros cash player, mais qui a diminué grandement depuis, globalement depuis que je taffe en fait, depuis que je taffe, vu que je joue un peu moins au jeu, bah, j'ai un peu moins de temps, donc je fais un peu moins de vidéos, mais je suis toujours là, hein, je fais toujours des lives, ça sera toujours un plaisir, et surtout, je ne suis pas dans mon chez-moi. Quand j'aurai mon chez-moi, bah, je pense que je mettrai encore moins d'argent, parce que j'aurai mes charges, hein, c'est pour ça aussi que je peux me permettre là,
Mais du coup, quand j'aurai mon chez moi, je pourrais faire des lives FIFA, je pourrais faire des lives sur des jeux consoles, je pourrais beaucoup plus me faire plaisir sur d'autres jeux. Et surtout, il y aura d'autres jeux qui vont sortir. Genre Black Clover Mobile, j'y jouerai. Bleach Soul Resonance, c'est le jeu que j'attends le plus. Je suis trop hype pour ce jeu. Pourquoi pas un jeu SNK? Pourquoi pas le solo leveling? Voilà, il y a plein de jeux qui vont sortir et il n'y a pas des jeux où je serai forcément cash player. Voilà, il y a des jeux où peut-être je serai un mini cash player. S'il y a des plans de mission comme sur DBL, je les prendrai. Peut-être des jeux où je serai 100% free to play. Voilà, je n'exclus pas. Sur Dokkan Battle, j'y joue, mais en off. Je fais pas de vidéo, j'en fais plus. J'en ai fait quelques-unes d'invocation. Mais je suis 100% free to play sur Dokkan. Et je m'amuse très bien. Parce que ce jeu, j'y joue quand j'ai envie, j'invoque quand j'ai envie. Et puis voilà, je me fais shaft. Je ferme le jeu, il y a une nouvelle célébration, il y a des trucs à farmer, je le fais. Et j'invoque quand j'ai envie. Voilà. Donc globalement, je suis très content. Voilà. je trouve aussi mon plaisir en étant free to play sur d'autres jeux. Il n'y a pas de souci. Hein. Fut champion quand je jouais à l'époque sur FIFA, j'étais free to play. Hein. Voilà. C'est très compliqué, encore plus que DBL, hein, pour vous dire, mais. Parce que je dois jouer 10 fois plus. Mais voilà. Hein. Et puis globalement, j'espère qu'il y a pas mal de persos qui vont revenir, hein, notamment MVP, notamment Orange Piccolo, les gamas. Je suis vraiment persuadé qu'ils vont pas mettre le tac TDP. Je peux me tromper, mais on verra bien. D'ailleurs, lui, je l'ai obtenu à 6 étoiles là. J'aimerais bien le retester là d'ailleurs depuis, il doit être claqué, hein, mais c'est pas grave. Et donc les persos que je n'ai pas, c'est deux persos et c'est deux persos jaunes, Muten Roshi Sparking et le Metal Cooler EX. Voilà, ce sera tout pour la vidéo du jour qui aura quand même été assez longue, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis nous on se rendez vous en live ou sur la chaîne YouTube pour une prochaine vidéo dans les jours qui suivent. Des bisous la team, ciao ciao.